Les Européens tentent de s'entendre sur l'accueil des migrants lors d'une réunion à Prague. Les signes de tension se multiplient en Hongrie, Roumanie, Slovaquie, mais aussi au Danemark, alors que le flux de réfugiés ne se tarit pas. En France, la polémique enfle après les propos de Nicolas Sarkozy, qui plaide pour un statut de réfugié de guerre, ce à quoi Manuel Valls rétorque que le droit d'asile ne se découpe pas en tranches. Les fortes pluies continuent de s'abattre. Au nord de Tokyo, des milliers de sauveteurs sont mobilisés pour venir en aide aux centaines d'habitants prisonniers des eaux, notamment à Jozo, et retrouver au moins 26 disparus. La mort de trois personnes a été confirmée, tandis que les médias soulignaient que le bilan risquait de s'alourdir dans les pires pluies qu'ait connu le Japon depuis des décennies. Deux nouveaux satellites de Galileo placés en orbite avec succès ce matin. La constellation doit compter 30 satellites d'ici à 2020. Galileo, un projet européen, vise à réduire la dépendance de l'Europe vis-à-vis du GPS américain. Le mystère autour de la mort de l'ancien ministre Robert Boulin bientôt éclairci, c'est ce qu'espère sa fille après l'annonce de l'ouverture d'une enquête pour enlèvement et séquestration. La famille de Boulin n'a jamais cru à la version officielle qui veut qu'il se soit suicidé dans la forêt de Rambouillet en 1979. Une exposition insolite à la Biennale d'art contemporain de Lyon, à niche dévoile 13 œuvres au couvent de la Tourette. Dans un cadre verdoyant au nord de la métropole, le plasticien britannique a voulu créer un dialogue avec l'architecte des lieux, le Corbusier. Un havre de paix loin de Versailles, où l'artiste a eu la tristesse de voir une de ses œuvres souillée par des tags antisémites.